Hey, bonjour à toutes et à tous, ici Tatsu, et aujourd'hui, chers amis, on va exploiter du pétrole, voilà, on va faire plein de belles choses chimiques, tout ça en plein milieu d'un océan avec une faune et une flore absolument impeccable. Bien évidemment, bienvenue dans Drill Deal Oil Tycoon, voilà, c'est globalement, c'est de l'exploitation, voilà, c'est tout simplement de l'exploitation pétrolière, de la transformation, c'est cubique, vraiment très très cubique. Je sais pas, je devrais peut-être le refaire celui-là, c'est bien, histoire de commencer. Je sais pas si là, on va se faire attaquer tout de suite par les pirates. Écoute, je recommence ici. On va vous expliquer toutes les bases. Alors, il y a un tuto qui est assez long. Donc du coup, pas de tuto. Hop là, ça tu enlèves. Blablabla. Ok, donc nous avons une mer qui fait beaucoup de bruit. Qui fait beaucoup trop de bruit. Et ça me rend fou. Calme-toi tes environnements, toi. Voilà, le jeu. Ok, on y est. Donc on a une plateforme entourée de mines. Tout simplement, on a un petit bateau qui est là avec de l'expédition, mais ça, ce sera pour plus tard. On a de quoi charger et décharger parce qu'il va falloir vendre notre production. On a une foreuse centrale. Alors, est-ce qu'on peut en avoir d'autres des foreuses? Je n'en suis pas là pour l'instant. Il va falloir recruter des bonhommes. Le recrutement des bonhommes se fait ici. Avant de recruter les bonhommes, il faut déjà faire la chose suivante, c'est-à-dire leur offrir un logement, un buffet, une petite cuisine, le cinéma incessamment sous peu parce qu'ils veulent être divertis. Il y a un principe où les bâtiments, s'ils sont à côté les uns des autres, comme les bâtiments électriques, fonctionnent mieux, mais littéralement mieux. Il y a un principe aussi, c'est si tu mets les dortoirs près des zones de travail où ça fait du bruit, ils vont pas être contents du tout, les mecs. Voilà. Donc, on place ça déjà. On met ça en place. Et d'un, et de deux. Tout ce qui est bâtiment industriel et transformation. Pour l'instant, on a une raffinerie basique. Elle va me faire du G, du F et du H. Avec le C. Le C, globalement... C'est ce truc-là, c'est du pétrole brut. Du pétrole brut, donc avec ça, on va récolter du pétrole brut et du gaz. Choses qui se vendent même bien. Donc on a dit, on va le mettre ça sur le côté. Voilà, je vais mettre ça sur le côté, Edin. Vas-y, fabrique. Alors ça fabrique tout seul, il n'y a pas besoin de bonhomme pour que ce soit fabriqué. Voilà, vous voyez juste lui, bon bah il a besoin de ressources. Et lui, il a besoin d'électrique. Ok, d'accord, donc déjà l'électrique. Les employés, on va tout de suite recruter un max d'employés. On est limité aux fonctions les dortoirs. Plus on a de dortoirs, plus on a d'employés. Donc apparemment là, j'ai quoi en avoir 4, ou je sais plus, attends, fais voir. Donc il m'en faut une, deux. Alors, ils ont tous plusieurs. Chaque employé a des talents précis. Donc celui-ci, il est bon en forage, hein, 2 étoiles. Au niveau de la raffinerie, parce que c'est ce qu'on vient de mettre, il est bon aussi, il sait faire. Et puis ça, c'est du raffinage utilisé dans la raffinerie, oui d'accord, c'est ça. Mais ça, c'est dans les usines chimiques, ça sera un peu plus tard. Il y en a qui sont juste bons à faire du gaz et du chimique. Ça, c'est pour l'expédition, donc ça sera plus tard. Ça, apparemment, c'est pour le divertissement. Par exemple, lui, si je le recrute, je vais pouvoir le mettre dans mon cinéma. Par exemple, lui, Luc, je le recrute. Salaire. Ah, Dion, t'es cher, toi. Foray. Ouais, bon, bah, bref. Bon, j'ai tout recruté. Il y a une équipe de jour et une équipe de nuit. Pour l'instant, on ne peut en mettre... qu'un seul, donc évidemment équipe de jour, je vais mettre Daniel, Edward, j'adore leur nom, tiens, Michel Kowalski, ouais, alors c'est, voilà, bah, Easton Carter, alors c'est marrant parce que pendant le tutoriel, on avait que des noms qui étaient des faux noms de stars du cinéma, attends, raffinerie, ouais, donc du coup, attends, toi, je vais te garder,
toi, je vais te mettre en équipe de nuit. Ensuite, toi, je vais... Pareil, là, il en faut deux. Il en faut deux, il en faut deux. Des mecs qui font du raffinage. Donc, toi, vous faites du raffinage, ok. Et d'un... J'en mets deux parce qu'il bah, faut qu'on produise. Il faut qu'on produise. Et tu vois là, leur place, celui-là, il est libre. Ça, on le sait. Il me faut quelqu'un qui fasse de la cuisine. La cuisine. Alors, sur le côté, là, on a déjà notre argent au-dessus. On a notre électricité. Donc, il va nous falloir deux générateurs électriques au moins. On a ici le nombre de blocs. Parce que tout ce que je mets en place, il va me falloir des blocs. Les blocs, c'est pour la construction. Voilà. On a la nourriture qu'on a en stock. On a les mauvais repas, apparemment on a 20 mauvais repas, de l'eau, il va falloir aussi faire importer de l'eau, non, il faut un purificateur d'eau, c'est vrai, j'avais oublié, les médicaments, le gaz qu'on a tout de suite pour mettre les machins électriques en route, donc là pour l'instant j'ai tout, j'ai vraiment tout, sauf les trucs électriques, évidemment les trucs électriques, on va les placer, peut-être là, je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr, ça fait du boucan, ça fait du boucan. Non, en placer un. Donc tu vois que ça coûte un peu de gaz et ça coûte 300 balles. Donc il faut faire... Oh putain, quel abrutus. Bon, c'est pas grave, on en mettra un. On peut d'ailleurs en mettre un tout de suite là maintenant. Donc on commence déjà à produire. Donc oui, évidemment, ils ont pas de matos parce que là, il faut qu'ils bossent. Bah qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, tu te magnes, Daniel. On y va, go for it. Allez, allez. Il y a un contrat. Aussi, on a déjà commencé, enfin, l'exploitation a commencé là, vous mettez à bosser? Mettez à bosser les mecs? Voilà, regarde. Alors c'est marrant parce que celui-là il sert pas à grand chose pour l'instant. C'est vrai que c'est chiant, mais la nuit va tomber assez rapidement, vous en faites pas. Hein. La nuit va tomber assez rapidement, mais qu'est-ce que t'as toi? Mais j'avais mis... Ah, parce que j'avais mis le même. D'accord, parce que j'avais mis le même employé à deux postes différents, donc bien évidemment. Alors lui... Lui, donc, c'est-à-dire la raffinerie basique, qui est une raffinerie basique. Attends, elle va me faire... Hop là, est-ce qu'on peut avoir les... Alors ça, c'est normalement, c'est de l'essence. C'est du gasoil, c'est G comme gasoil. Le F, c'est du carburant, j'ai rien dit. Et le H, apparemment, c'est du pétrole lourd. Donc, il prend quand même... au niveau du gaz, il en prend... Enfin, donc c'est le C, c'est le pétrole brut, évidemment. Donc le gaz et le pétrole brut, c'est 50 de chaque à chaque fois. Tu vois, regarde. Donc le gaz, ça va très très vite. Ça va très très vite. Là, j'ai les contrats. J'ai les contrats, tout simplement. Et il faut que je crois que c'est sur 10 jours les contrats. Il faut que je m'engage à leur verser une quantité de matière première. Et tous les jours, le bateau, il va venir. Il va venir chercher les trucs. Donc là, par exemple, on a déjà 200 de gaz. Il n'y a pas de souci. Je peux vendre 200 de gaz. Il va venir le chercher demain. Pas de souci. Là, le G, on en a 80. Donc normalement, je vais en mettre 100 pour commencer. Ah oui, évidemment. Et je vais signer le contrat. Donc tous les matins, il va venir le chercher. Donc tu vois, on en a déjà 100. Donc on va commencer à bosser. Il y a du monde là. Ah, ça c'est la cuisine, c'est la kitchenette. La kitchenette. Ah, tu vois, regarde, lui là, le marmiton. Bah, c'est pour ça que je l'ai pris. Et il est libre en plus. Donc, hop là, ça c'est pour Bibi. Ça c'est nickel. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ok, pour l'instant, ça c'est bien. Alors vous dites, ouais, mais la place est limitée. On va pouvoir créer d'autres plateformes pour augmenter notre espace. Bien sûr, bien sûr. On a encore quelques blocs. On va avancer le temps. Alors évidemment, c'est plein de choses un peu techniques. Je suis désolé, le commentary, ça va pas... Voilà, niveau LOL. Oh, dis donc, vous récoltez du gaz. On va faire du prout. Bon, bref, pardon. Pardon. On a un arbre de talent, bien évidemment. On a un arbre de talent qu'il faut débloquer. Tiens, tu vois, regarde déjà là, ça fait 20% de production en plus. Là, on a la production base de structure de forage. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Déverrouille une petite... Oui, alors ça, c'est le bâtiment, l'état technologique. Donc ça, c'est la maintenance. Il va nous falloir la maintenance. Donc ça, c'est la maintenance. Est-ce qu'on le fait tout de suite? Non, la maintenance, on le fait là tout de suite. C'est ça, c'est le bâtiment de maintenance basique qu'il nous faut incessamment sous peu. Donc la maintenance, il me semble que c'est... Oh, je sais plus. Oui, c'est là. En effet, c'est là. Et il n'y a pas de mal à le mettre, genre un peu ici.
Parce qu'il s'en fout du bruit, lui. Donc voilà, la maintenance, on va voir si la journée, je peux me passer d'un bonhomme. Donc toi, tu es libre. Par contre, il n'y a que toi qui es à la foreuse. Oh, mais t'es trop bien, toi, Michael. Michael, de retour, alléluia. Voilà, truc de vieux. On va mettre Luc. On va mettre Luc en espérant qu'il se débrouille pas trop mal. Est-ce que déjà... Ah voilà, donc il y a un des contrats qui a été rempli. Un des contrats qui a été rempli, il est venu chercher ses 100 d'essence. Voilà, et tu vois, on a déjà 180. Et ça, ça va partir. Ok, on a le bloc de construction, des blocs de construction. Ce qu'il faut faire, là, tu vois, maintenant, s'il se met en marche, c'est tout ce qui est bouffe, bloc. Alors, les blocs aussi, il faudrait les blocs. Hein. Ça mange pas de pain, mais il faudrait les blocs. Faudrait les blocs. Alors vous voyez, c'est joli le monde, il est tout carré, mais il y a plein de bestioles. Normalement, il y a des pirates qui peuvent nous attaquer, vont peut-être pas maintenant. Voilà, il y a des baleines, il y a des requins, il y a des schmurts. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ah oui, il faut aussi acheter des contrats, des possibilités de contrats. Là, vous voyez que je... Du pétrole brut, oui, ça c'est censé être raffiné. Du pétrole lourd. Donc si je vais dans les contrats qui sont ici, par exemple lui, je peux acheter une possibilité de contrat de pétrole lourd. Donc je l'achète pour 500. Et maintenant quand je vais dans mes contrats, j'ai cette proposition de pétrole lourd dont on peut se débarrasser. Donc on va essayer d'en mettre tout de suite. Une centaine, c'est possible. Oui, il en fabrique, écoute, une centaine. Oh, pardon, c'est vrai. Une cinquantaine, ça fait un peu d'argent. Donc normalement, ça fait 500 plus trucs. Plus le gaz, là, évidemment, dont il faut se débarrasser régulièrement. Ça, c'est des trucs ponctuels, des contrats instantanés, rapides. Le gaz, oui, ça, c'est bon. L'essence, c'est bon aussi. Regarde, je peux en mettre 200. Donc normalement, demain, ça devrait arriver pour être vendu. Oui, là, la nuit, il n'y a personne. La nuit, il n'y a personne, c'est bon. On est déjà au niveau 4, super. Alors là, c'est la réputation du Schmilblick. Plus ma réputation est bonne, mieux je suis payé, tout simplement. Donc ça, c'est, tu vois, là, les sociétés Soot Squad et machin, ils viennent, ils remplissent. Ok, donc ils veulent un bâtiment. Et ça me fait du pognon. Voilà, tout simplement. J'ai eu un petit peu de mal. C'est pour ça que j'ai eu un petit peu de mal au début. Je vous le cache pas, parce que il faut appréhender un petit peu tout ce qui est fabriqué F carburant. Donc j'ai beaucoup trop de carburant. L'idéal, ce serait le carbu. Alors attention, le carbu aussi, ça se transforme. C'est d'aller chercher un... Non, F, j'ai pas. Ça, c'est du lubrifiant que l'on va pouvoir fabriquer. Ça, c'est du carburant solide. Je sais pas du tout ce que c'est. Pétrole lourd, mais pour l'instant il faut faire du carburant solide à partir d'autres choses. Je ne suis pas prêt. On va aller dans l'arbre de talent et on va aller dans soins des employés. Soins des employés augmente. Comment ça, un jour le temps nécessaire qu'un employé satisfait du kit. Ah d'accord, donc parce que s'ils sont malheureux, ils quittent et ils démissionnent tout simplement. Et on peut leur prendre la technologie du cinéma. Chambre à coucher simple, enlève-toi. Chambre à débloque et améliore le bâtiment. Logement simple des employés. Simple lieu de couchage pour 5 employés. 1000, par contre ça coûte tout de suite 1000. Nope. Ça c'est bon, qu'est-ce qu'on voulait? Le cinéma. On va leur mettre le ciné. Tout de suite, là maintenant, et il faut pas le mettre là où il y a du bruit, parce que ça c'est pénalisant aussi. Et par contre, évidemment, le cinéma, c'est le soir, donc le soir on va les... Ah oui, mais tout le monde, il y a des gens qui bossent le soir aussi, ça c'est chiant. Ah tiens, tu regardes, il est pas content parce qu'il y a du bruit. À cause de quoi? Mais je peux pas te mettre ailleurs, t'es gentil toi. Oh mais t'es gentil, je peux pas te mettre ailleurs. Donc eux, ils ont... Oh, mais ils sont pas libres. Ne sont pas libres. Et le soir, il y en a un qui est libre? Pas du tout. Ah si, toi, t'es libre. Écoute, tu iras. Tu leur feras le cinéma. Tu leur feras le cinéma le soir. Uniquement le soir. Et normalement, ils vont venir. Tu vois, toutes les petites cases, là. Ils vont venir se détendre. Et parce qu'ils ont tous des... Attends, fais voir. Je peux cliquer dessus? Non?
Non, enfin, normalement, c'est une icône. Hein, quand ils sont pas contents, quand ils sont pas divertis, ils ont un truc au-dessus. Ah, ben, je suis pas content. Je suis pas content, j'ai ben, mal à mon petit cœur. Tout ça, tout ça. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on produit? Du F, du carburant. Il faudrait vendre le carbu. Ce serait bien, mais. Ok, ça, j'ai. Alors, de la bouffe. De la bouffe, il y a de la mauvaise bouffe. Repas, il me faut. Ouais, ça fait boum, 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 boum. Des blocs, un truc de bloc, ça me fait 50 de blocs. Ce qui est un peu débile, mais ça me fera 500 blocs en plus. Oh, OMG. Ok, donc du coup, ça augmente de 200 à 500 au niveau de mes blocs. Mais par contre, j'ai plus de blocs. J'ai plus de blocs, donc du coup, je peux plus rien fabriquer. Babazote, ça c'est chiant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un petit bateau. Petit bateau où on va demander de la nourriture et des blocs. Alors, du coup, j'ai 1500. Et je vais augmenter. Alors, le bateau est limité à 400. Mais par contre, de toute façon, ça me coûte du pognon, quoi qu'il arrive. Donc, on va essayer de prendre au maximum et de la nourriture. Parce qu'il y a de la mauvais repas. Il y a nourriture, mauvais repas. Repas complet. Ouais. Et bon repas. On va essayer. Alors, ce que j'ai compris, c'est que la production est bien meilleure quand les gens ils sont contents. Donc, on va essayer quand même de prendre quelques mauvais repas. Ça, c'est seulement de la nourriture. Ah, je sais pas comment ils font, mais. Ah oui, ça fait déjà 3000. Ah oui, ça coûte quelque chose. Ça coûte quelque chose. Ok, et là, je confirme. Et lui, déjà, mon client, il arrive. Il prend le pétrole, il se barre. Alors par contre, l'essence, j'en ai. Et pétrole lourd, tu vois, si j'en ai mis que 50, et eh ben c'est tant mieux. Ça a rapporté des sous. Ça a rapporté des sous. On a fait les deux contrats, ça c'est bon. Signer le gaz, ça tu prends. Ça tu prends pour 600 balles, tu prends. Autre chose. On a plein de F, bon sang. Bah tiens, regarde, du F. Bah oui, mais bien sûr. 800 tout de suite. Rapport, ça c'est les contrats qu'on a effectués. Ça c'est le prix évidemment qui varie, qui monte. Comme en ce moment, hein, c'est un peu la misère. L'essence est chère, le pétrole est cher. Donc du coup, vous payez plein pot. Ça aussi 200, on peut en vendre 200. Donc là tu vois, ça c'est 1000, 600, 800, 1000. Tu vends ça, tu accélères, t'es déjà pas trop mal. Allez, j'accélère. En x4, ils sont pas contents. Hein. Ils sont pas contents au niveau du ciné. Attends, bouge pas, on va le détruire. Oui, bah vous êtes pas contents, vous êtes pas contents. Voilà, on a déjà gagné du pognon. Plein, plein, plein de pognon. Les blocs, ils sont arrivés. Non, il faut que je commande des blocs. Le petit ciné qui me coûte quand même 400, donc j'ai perdu. Alors, je sais pas si ça peut aller en le mettant ici, quoi. En fait, c'est ça le problème. Il est pas content non plus. Bah t'es chiant! Bah je peux rien faire! OMG! Bah je peux rien faire! Améliorer le bâtiment! Bah bien sûr! On a les possibilités d'améliorer le bâtiment. Ah oui, parce qu'il faut 1000 de trucs. Attendez, bougez pas. Parce que on a des choses à faire. Donc il faut 15 employés. Il faut détruire 3 mines. Il faut construire une petite plateforme supplémentaire. Je me demande bien si je vais pas le. Construire tout de suite la petite plateforme supplémentaire. Ouais, on va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Dégage. Ok, donc du coup. Maintenant j'ai un peu de pognon. J'ai un peu de pognon. Il faut que j'attende que le bateau il arrive. Donc là je suis en pause. Il faut que j'attende que le bateau il me livre ça. Est-ce qu'on a encore des mauvais repas? On a encore des mauvais repas. L'eau, la flotte, tout ça. J'ai complètement oublié. Il nous faut de l'eau, la flotte. Oui, poursuivre le contrat avec Indian. Truc, attends. J'arrête. Alors ça c'est Indian machin qui veut du G. En fait on peut augmenter le truc vu qu'on en. Je vais le passer de 100 à 200. Je vais le passer de 100 à 200. Là ça fait 100, ouais. Donc en fait j'augmente. Donc ça sera 1000 par jour. Tout simplement. Le G là pour l'instant. 200 je peux. Ouais je peux. Alors évidemment, si j'ai pas ce qu'il faut, ça va pas aller. On bouge pas. Je voulais faire ça. Mais t'es pas encore là, toi? Ah! 15 secondes. Non, voilà, il faut qu'il reparte, il faut qu'il revienne, il faut qu'il soit disponible. Qu'est-ce qui se passe? Ah, là.
Ok, donc bouge pas, j'arrête. Il me faut des blocs. Et on va en prendre un max. Alors évidemment, il faut pas en prendre plus que 500. 400. On en a déjà 100. On a déjà... Ouais. Ouais, bon, bref. Pour 4000, waouh, ça fait beaucoup. Mais on pourra tout construire avec. On va tout construire avec. Parce que une fois que j'ai les blocs, je peux augmenter ma capacité de gaz. Je peux augmenter ma capacité de pétrole brut déjà. Donc ils pourront travailler plus facilement, normalement. Ok, donc il vient de me livrer. Il vient de me livrer. Lui, il vient chercher tout le matos. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ça, c'est l'autre. Ouais, du F. Toi, tu veux du F. On en a du F. Je sais plus c'est quoi déjà du F. C'est du... Production par jour demandée. Mais je peux ou pas? Je sais pas. Je sais plus. Je sais plus. Du F, du F, du F, du F, du F. C'est du C. Oui, du F, c'est celui-là. Mais... Mais oui, mais je peux, mais évidemment. Pourquoi je le vends pas? Pourquoi je suis con? Pourquoi je suis con? Pourquoi je le vends pas? Donc on signe un contrat. Ok, donc déjà... Le F, ça rentre bien et il me faut, maintenant que j'ai des blocs et un peu d'argent, il faut que j'augmente la taille de mes réservoirs. Code liquide, donc ça c'est pour C. Donc là, je double ma capacité à avoir le pétrole brut, on est d'accord. Ensuite, raffinery oil, donc ça c'est G essence, lieu de stockage F carburant. Ok, donc ça, normalement, il est doublé aussi. On en a 750, 750, 750, d'accord. Donc ça, c'est fait. On peut même... ...x2. On est fou, on est fou. Contenu de nourriture. On a du gaz. Est-ce qu'on a de l'eau? Oui, oui, oui. Attends, le gaz, le gaz, le gaz, le gaz. Oil. Oui, alors ça, c'est des gaz spéciaux pour l'instant. On n'en a pas besoin. Ça, c'est la flotte. Ça, c'est les blocs. Je sais plus. Donc là, c'est E ou gaz. Donc là aussi, ça, normalement... Tu mets ça, il est content. Tu mets ça, on double. Voilà, le gaz, on est à 1000 hydrogène. Le gaz, on est à 1000. Donc ça, c'est bon. Ok, on a encore des blocs. Il faut aller ici, au niveau de la structure. Et je peux faire une grosse structure. Alors, au début, je pensais que je pouvais étendre ma plateforme, mais c'était pas ça, en fait, c'était tout simplement pas ça. Et donc, je vais prendre celle-ci, qui est tout aussi large. Tu vois, ça fait une plateforme. Je pensais vraiment, au début, que je pouvais, comment dire, vraiment le accoler la plateforme, mais il faut attendre qu'elle soit verte. Et pour ça, il faut l'éloigner suffisamment et faire un pont, tout simplement. Yeah! Donc ça, c'est une des conditions du truc. Et faire un pont, ça me coûte quelques blocs. Donc il faut avoir des blocs. Voilà. Ok, et d'un et de deux. Le cinéma, je vais le faire ici. Parce que là, ils vont me faire la gueule. Ils me font la gueule depuis un moment, j'imagine. Et d'un, et je peux aussi faire ceci. Ah. Et ça va augmenter la capacité d'avoir des gens. Tout simplement, je vais mettre... Qui c'est qui est libre? Personne. Si, toi, t'es libre. Ouais, mais en fait, maintenant que j'ai ça, je peux embaucher à nouveau des gens. Et je peux embaucher lui qui est à la maintenance. Je peux embaucher lui qui est au divertissement. Je peux embaucher lui qui est cuistot, apparemment. Donc ça, c'est pas mal. Donc normalement, si je fais ça comme ça... Ah oui, la flotte, punaise, la flotte. Faut pas que j'oublie l'eau pour les gens. Attends, bouge pas. La flotte, la flotte, la flotte... Je sais plus. Je ne sais plus. Attends. Voilà. Pardon, hein, évidemment, je joue depuis pas très très longtemps. Donc on avait dit soin des employés, chambre, amélioration, maintenance, la tourelle de défense, la sécurité... on a de l'argent, on a de l'argent, ça rentre tout seul, ça va, premier secours, tourelle défensif, évidemment, là, il nous faut ça pour commencer à fabriquer, c'est-à-dire du oh, vous allez voir, c'est du carbu qui ressemble à ça, du lubrifiant, high-tech, évidemment,
Donc c'est foreuse, principale foreuse. Travail extrait du gaz et du pétrole brut. Donc apparemment c'est high-tech, ça va mieux. Stockage, H2O, filtre simple. Donc ça c'est le filtre à eau, voilà. C'est pour avoir de l'eau. Mais pour ça il me faut celui-là, meilleur condensateur. Donc apparemment ils vont produire plus d'électricité, et ça c'est bien. Module économique, 1000 balles tout de suite et 800 balles pour ce truc de flotte. Ok, normalement on a. Attends, attends, est-ce que ça va regarder? Donc ils sont contents, ils travaillent bien. Et du pétrole brut, on en a. Du gaz, on en a plein. Est-ce que au niveau du truc, ça va? Bouffe, 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 bouffe. Attendez, bougez pas. De toute façon, toi, pour t'améliorer, il me faudra du pognon, certes, mais surtout du lubrifiant. Du lubrifiant, je n'en ai pas pour l'instant. On va commencer à en fabriquer incessamment sous peu, puisque maintenant j'ai des gens pour le faire. Ok, et des blocs, j'en ai. Il va nous falloir de la nourriture et des mauvais repas. Enfin, ça dit plutôt des mauvais repas et de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Qu'est-ce que j'ai foutu de la flotte? Attends, donc ça, c'est un petit générateur à gaz et ça, c'est un purificateur d'eau. Donc, avec entrée, sortie. Fait comment pour avoir de l'eau exactement, exactement, je ne sais point. Ok, niveau 5, donc ça c'est ma réputation. C'est très très bien. Je sais pas si vous entendez des petits chiens qui grattent. Voilà, donc ça purifie de l'eau et on a de l'eau. Ça c'est bien, on est content, on a de l'eau. Il faut qu'on commande plein de choses. On n'a plus de pognon. On n'a plus de pognon. Tatsu, il a tout dépensé. On a encore de l'électricité, ça c'est bien. Les mines, je vais pas les détruire tout de suite. Je vais essayer d'avoir 15 employés. Je vais essayer d'avoir 15 employés. On va essayer de gagner des sous surtout. Attends, le pétrole brut qui ne se vend pas, bien évidemment. Vous, ça va, vous bossez les mecs. Hein. Il n'y a rien de mieux ici, fais voir. Donc j'ai toi, j'ai Daniel. Daniel, il est à la foreuse. Ok, ça c'est fait. Donc du coup, à la foreuse, je vais avoir besoin de quelqu'un, n'est-ce pas? Avoir besoin de quelqu'un en journée. Donc le meilleur, c'est toi qui est à la raffinerie basique. Ça. Donc toi, tu es déjà à la foreuse. Et toi, tu as la raffinerie basique. Il faudrait que j'embauche quelqu'un. Toi, t'es pas trop mauvais. Bob. Bob Smart. Il est intelligent, Bob Smart. Ah bah, je peux pas. Why I can't. Attends, bouge pas. Est-ce que si je fais ça, que je vais... Non, 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 pardon. Si je fais ça et que je vais dans le son... J'ai pas d'argent, donc du coup, Bob, il est smart, mais je l'ai... Qui c'est qui est libre? Samuel. Bon, bah, remets Samuel, hein. Toi, t'es libre encore, Clint. Non, c'est Carter. Et vous, vous êtes libre aussi, mais vous servez pas à grand-chose. Si, à la rigueur, poursuivre le contrat... Merci, je vais juste le reconsidérer peut-être un tout petit peu en termes de production. Le gaz, on a beaucoup, beaucoup trop de gaz. Il faut vendre ce foutu gaz, il est où? Donc déjà, ça se vend seulement 200 pour 600. J'ai pas de contrat. Hein. Attends, qu'est-ce que je voulais? Je voulais des blocs, oui, mais j'ai pas de sous pour l'instant. Bouge pas, les sous, c'est pas tout de suite. Le contrat, le contrat, le contrat. C'est ici, j'ai rien d'autre hein, qui s'est délivré. Du lourd, oui. Non, ça, il va falloir commencer à en fabriquer. Et puis peut-être que je pourrais le vendre. Et du coup. Ouais, tu vois, j'ai de l'essence. Donc je pourrais faire un truc ponctuel. Hop là, ça se vend. Du F, évidemment, on en a tout plein, non? C'est ça? Oui, il est là. Production journalière. Alors ça c'est la production journalière, ça c'est intéressant. Fait 326. C'est pas mal. Donc là j'en vends 200. C'est ponctuel. Là le H, est-ce qu'on en a suffisamment? Donc production 81. Donc il faut pas en vendre plus que 80. Fait pas beaucoup d'argent, ouais, ça fait 400 balles, mais faut pas en vendre plus. Production journalière et ouais, E, c'est 360, 80 et production 326. Donc ça c'est pas mal. Tu vois, il faut que j'attende qu'ils viennent chercher celui-là, honorer ces contrats-là. Et ensuite, il s'ennuie. Bon. Alors, donc le soir venu, voilà, tu vois, regarde tous ceux qui s'ennuient, ils vont au cinéma.
Voilà, pardon, vous entendez. Et tu vois, leur jauge, elle augmente. Voilà, mais ça sera que la nuit, hein, je suis désolé. Ils bossent que la nuit, c'est comme ça. Voilà, ils ont pas faim, puisqu'apparemment c'est bon. Ah, par contre, qu'est-ce que c'est ça? Petite cuisine. On commence à avoir des soucis de nourriture. Et ça, c'était prévu. C'était prévu. Pardon, je sais pas si vous entendez taper. Donc, mauvais repas et nourriture. Aïe, aïe, aïe. On a 2000. Et là, 2500. On aura plus d'argent, on aura des bons repas. Et même des médocs, on sait jamais. Hein. Même pour l'infirmerie. Ok, ça, c'est payé. Donc voilà, l'argent part, il est réinvesti, mais il part régulièrement. Ok, ça c'est bon. Il est venu, il a payé. La bouffe est arrivée, non, elle n'est pas encore arrivée. Le bateau arrive bientôt. Ah, ils seront pas contents. Donc dans 40 secondes, le bateau, il arrive, normalement. Et vous devriez avoir de la bouffe, l'eau, on en a suffisamment, c'est pas du tout un souci. On pourrait faire en sorte d'avoir quelqu'un qui fasse une expédition, je sais plus pourquoi, mais... écoute, toi tu veux y aller? Ah mais tu vois, celui-là, il faut le mettre au cinéma. Il faut le mettre au cinéma, là, le gars. Attends, on bouge pas, donc c'est lui qui est libre. Ah oh, mais toi t'es à l'atelier, donc toi t'es mieux. Ok. Et du coup, pas non plus les divertir tout le temps, faut pas déconner. À l'atelier, on va en mettre un deux jours. Et donc c'est Michael Kowalski. Go for it, les filles. Voilà, vous avez été livrés, vous avez un peu de bouffe, ça c'est bon. Vous ne mourrez pas de faim. Ok, d'accord. Du coup, ça s'est accumulé. On est à 500 par jour. Donc production jour 300, donc on va faire ça, on a renégocié les contrats, donc là maintenant je mets 300. J'accepte. 300, donc ça va faire 1600 par jour. Celui-là, c'est le F, hein. Le F qui est là, qui est du carburant, 326. Et on va signer. Pendant 4 jours, voilà, et tous les jours il vient se chercher, le gaz bien évidemment... On n'hésite pas à le vendre parce que normalement il y en a toujours hein, du gaz. Hein. Voilà. Ok, on a eu du pognon. Il est venu immédiatement chercher son truc. Immédiatement il est venu chercher. Hein. Waouh, mazette. Ok, on a fait une plateforme. Et les mecs ils vont se divertir. Ils vont faire un dodo. C'est ce soir le divertissement, les enfants. Hein. Vous n'êtes pas contents, mais c'est ce soir. Ok, ça répare. Ah oui, qu'est-ce que je voulais? Je voulais ça. Évidemment, il me faut une nouvelle raffinerie. Il me faut une nouvelle usine chimique. Donc, par contre, là, au niveau de l'électricité, ça va pas. C'est pas bon. En voyant, on pourrait faire aussi de l'énergie propre, apparemment, éolien. Mais bon... Du gaz, on en produit directement. Hein, c'est un peu con. Ok, ça c'est fait. Il va me falloir plus d'employés, bien évidemment, parce que ça mérite plus d'employés. Donc là, tu veux cela, mais ils sont déjà en raffinerie. Donc du coup, il me faut un logement supplémentaire. Ok, ça c'est fait. Ensuite, il faut que j'embauche des gens. J'embauche tout le monde. Est-ce que j'ai les 15? Pas encore. On n'a pas encore 15 employés. Wow. Il va me falloir une autre plateforme. Fais-en une. Je sais plus ce que ça coûte. Et du coup, il me faut une centaine. D'accord, bon, on va en demander. C'est possible. Attends, du coup. 15 employés. Bah voilà, si, c'est bon, je les ai. Pas besoin de nouvelles plateformes. Ok, du coup, on va mettre les plus compétents, qui sont libres, s'il te plaît. Ah, ils font un type en forage. Oh. Toi, t'es libre. Qu'est-ce que j'ai? What I am branding? Qui c'est qui est libre déjà? Ah oui, c'est lui. Ok. Donc du coup, à partir de là, ils vont commencer à me fabriquer. Ils vont commencer à utiliser le carburant.
pour fabriquer du lubrifiant. Donc matin et soir. Non, ça c'est bon, ça perce chez moi. Par contre, au niveau de ma production de F. Ma production de F qui est ici, qui est de 300 par jour, et j'en ai un petit peu, mais pas beaucoup. Voyons voir ce qui va se passer demain, parce que ça, je vais pas le vendre. Pour l'instant, le lubrifiant, on pourrait l'utiliser pour évidemment augmenter. Ah oui, d'accord, donc il me fabrique aussi du solide. Alors, poursuivre les contrats, oui, poursuivre les contrats. Non. Il faut que j'attende d'être à 100 pour pouvoir avoir la tourelle. La tourelle qui m'est demandée. Attends, c'est pas du tout ça. Ce système de défense qui est ici. La tourelle défensive qui a été débloquée. Elle a été débloquée. En soins aux employés, est-ce qu'on pourrait. Ouais, ça commence à percer chez moi. C'est chiant, je suis sincèrement désolé. Ok, donc lui, alors c'est normal hein, parce que les cuistots sont pas, il n'y a pas de cuistots la journée, cela dit, maintenant que j'ai des gens qui servent pas à grand chose, il faut juste qu'il soit libre, le mec. Genre toi, ça te sert pas à grand chose, toi. Fais le cuistot la nuit, on sait jamais. Poursuivons le contrat, poursuivons le contrat, poursuivons le contrat, vous voyez, on a 8000 balles, on a 8000 balles, c'est très bien. Oui, non, tout est honoré, c'est très bien le gaz. Le gaz, on en a plein. On en a plein, on peut en vendre. On peut en vendre. Le pétrole, tu laisses. Voilà. Tout le reste, tu laisses. Et d'un et de deux, on peut faire en sorte d'essayer de faire une. Toi, t'es libre. Voilà. Donc, ça, c'est mis. D'ailleurs, on prend même peut-être un deuxième. Je sais pas s'il est libre, lui. Il est libre. Donc allons-y, donc ils sont contents, ils sont d'humeur moins con. Voilà. Ah, je sais plus où sont les expéditions. Ok. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire un truc, mais je sais plus quoi. Je voulais faire un truc. Ah oui! La tourelle de défense. La tourelle de défense. Donc, du coup, je sais plus encore si j'ai du pognon. Toi, on peut t'améliorer, hein? Ouais, on peut l'améliorer. 200 blocs, tout simplement. Waouh, 200 blocs, je peux l'améliorer? Bah, j'avais pas vu ça. On va chercher des blocs. On a du pognon, hein? On a du pognon, on a du pognon. On va en chercher. On a combien de blocs? On a 80. On va m'en chercher, genre, beaucoup. Go for it, de la bouffe. Tiens, puisqu'on a du. On a de quoi faire, on va prendre quelques bons repas. 23. Ah oui, parce qu'il est plein, il est plein. Allons-y. Quelques bons repas, vous serez repus et contents. Bah, qu'est-ce qui se passe là? Ah bah je l'ai enlevé, quel con. Oh là là. Quel débilus. Je l'ai enlevé. Ok, donc ça c'est bon. Normalement c'est bon, ça on s'en fout. Toi tu manques de matière première. Non, c'est bon. La matière première est revenue. Et d'un, et de deux. Donc toi tu prends. Tout ça, 380, c'est bon. Toi bien, les deux contrats. Ah, par contre, on a raté un contrat. Il manquait des choses, on a raté un contrat. Donc toi, apparemment, pour t'améliorer. Donc on a le niveau 2. Yeah! Donc la production devrait être accélérée. Alors ça, évidemment, pour améliorer celui-là, il me faut 100 de nouveau. Ouais. Bah il faut. Enfin si toi tu me fais plus de carbu, normalement il devrait bosser correctement. De l'eau. On s'en fout de l'eau. Qu'est-ce qu'il a lui? Ah tu manques de bouffe? C'est de la nourriture, juste de la nourriture que tu veux? Juste de la bouffe. Parce qu'on n'a pas ça. Oui, parce qu'on n'a pas. D'accord. Il manque de nourriture. Il faut envoyer le bateau. Vous voulez juste de la nourriture basique et simple, vraiment pour faire à bouffer. Il vous faut en mettre 200 à 100. Ça arrive incessamment sous peu, hein, chers amis. Enfin, donc la seule chose, pardon, qu'il me reste, c'est évidemment de détruire 3000. Pour cela, il me faut juste 100 de lubrifiant, construire la tourelle qui est ici, il me semble. Attends, je sais plus où elle est, celle-là. Je sais plus où elle est. La tourelle, la tourelle, la tourelle. Ah bah, elle est pas là. Enfin, elle se débrouille. Oui, je crois que c'est celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. Il me faut 150 blocs et 100, 100 machins. Regarde, elle est ultra moderne, donc elle carbure deux fois plus, apparemment. Oui.
Ah oui, d'accord, je peux mettre deux bonhommes. Ah bah oui, du coup, oui. Fais-moi voir qui c'est qui est libre. Bah oui, c'est logique. C'est logique, même s'ils sont pas... Ouais, on continue, on continue. C'est bon, t'as tout? Il a pas tout. Hein. Un contrat sur trois, mince. Ça va pas. Donc il faut... Il faut... Bon bref, on va terminer là-dessus. On va juste construire la tourelle. On va juste construire la tourelle pour aujourd'hui. Je referai une autre vidéo, bien évidemment, sur ce jeu absolument délicieux. On va le mettre ici. Alors la tourelle, c'est contre les pirates. C'est contre les mines. C'est contre les grosses bestioles, puisqu'apparemment, il va y avoir des grosses bestioles. Attends, hop là, moi, ah oui, d'accord, je peux vraiment ralentir le temps. Il faut activer les munitions et tirer dessus. Faire péter les poissons. Ah, encore un petit peu. Non, tu y arrives pas. Hein. Ok. Oh, ça bouge. Et voilà, c'est fini. On a gagné. On a gagné, on a gagné. Donc apparemment, je sais pas s'il y a un bac à sable. Continue ou revenir au menu. Je vais revenir au menu. Je sais pas s'il y a un bac à sable. Ce serait plutôt bien. Ouais, non, tu vois, il faut faire des... Le bac à sable, il est là. D'accord. Donc c'est quand tu auras tout fait, tu pourras avoir le bac à sable. Why not? Why not? Chers amis, on va s'arrêter là. Parce que bon, il commence à taper là derrière. Je sens pas. Ça perce, ça tape. Gros pouce bleu, gros abonnement. Très très joli petit jeu. Hein, évidemment, un petit jeu de gestion de production. Comme d'habitude. Allez, tchou tchou bye bye. Des bisous. À la prochaine.